Voilà. Bonsoir YouTube. Heureux pour moi pour l'immédiat, mais bonsoir à toi. On vient d'arriver là et j'ai coupé le précédent, donc voilà, tu arrives tout de suite à la suite du précédent, comme tu peux le voir. J'ai tout ce qu'il pouvait y avoir dans cette zone. Il semblerait que j'ai bien... Ah non, j'ai mal exploré la zone. Bah, je reviendrai pour aller chercher ce truc là ici plus tard. Voilà. Le labo de Cri. Je doute qu'elle ait cru qu'on en arriverait là. Elle a fait des choix, mais si ça nous aide à nous débarrasser de l'Empire, tant mieux. Ah. C'est différent. Je dois vider mon esprit. On va se faire un petit coup de méditation. Bon. Scanne ça. C'est reparti. Et allons nous attaquer à la suite. Tu arrives presque trop tard, Jedi. Je t'attends dans la tour de contrôle. Rejoins-moi si tu peux. Oh, je vais arriver, oui. Qu'est-ce que c'est? Un truc que je ne peux pour le moment pas utiliser. Quel plaisir, n'est-ce pas? Ok, ok, il y a un truc au-dessus où je peux me rendre. Alors attends. Est-ce que j'ai bien compris? Ah, là il y a un truc à moi là. Ah, salut! Test n'a réussi pour le moment. Ça va. Dagan Gera continue d'y croire. Alors il sent quelque chose qui m'échappe. Ok, là il y a une grille au travers de laquelle je pourrais potentiellement passer. Mais pour ça, faut que je m'occupe du bas, je pense. Là c'est quoi? Pirate. On doit l'ouvrir. Ah, là-bas il y a un truc. Du confinement. À terre. Ok. Je l'ai vu, hein, la sphère là-bas, je l'ai vu au travers de la vitre, vous inquiétez pas. Simplement pour la récupérer, bonjour.
reste que... Et... Oh, c'était tellement juste. C'est passé. Toute cette technologie sur Kobo, ça a été fait ici. Ah, j'ai... Regardez. Cet homme qui a réfléchi. C'est quoi? C'est un coffre? Pirate. Il faut la pirater. Piratage droïde EK. Oh, très utile ça. Examiner. Le gadget qu'on a trouvé dans les flèches de pierre, il peut servir. Tu vas t'en sortir, pas vrai BD? Attends, je pouvais monter là-haut? Non, je pense pas. C'était juste pour m'aider à atterrir, c'est ça? C'est ça. Donc là, tout ce qu'il y avait là, ça a été exploré, on est bien d'accord. Sauf ce côté-là qui n'est pas explorable, visiblement. Et ben, on a plus qu'à continuer. Ok, très bien. Voyons ce que Cri fabriquait. Hop. Astuce pour ceux qui jouent au jeu, quand vous voyez le petit droïde BD1 là, qui a l'arrière de la tête en violet. C'est pour vous indiquer un scan, si je meurs. Voilà. Par contre, je vais le remettre avec l'arrière de la tête plus large, parce que je vous avoue... Ah non, c'était juste un bug, merveilleux. Santari. Non, non, ça... Dagan, qu'as-tu fait? Mon devoir. Arrête. Mais tu veux la même chose que moi. Sinon, pourquoi mentirais-tu au conseil? Tu t'es perdu. Rends-toi. Et on trouvera une solution ensemble. Viens avec moi. C'est trop tard pour ça. Tant de désespoir, Santari. Tanalore, tu la vois disparaître entre tes doigts. Mon désespoir vient de toi. Tanalore t'a transformé. Elle t'a changé aussi. Écarte-toi. Non. Alors je dois agir seul. Médical et préparer une cuve à Bacta. Qu'est-ce que t'as trouvé? Une technologie de la Haute République. Ça fonctionne avec mon grappin. On va pouvoir monter à la tour. Elle a vaincu Dagan, mais elle ne l'a pas livré. Y'a pas de problème, Miss, y'a aucun problème, t'inquiète pas. Y'a aucun souci, Oui, y'a pas de soucis. T'inquiète pas, y'a aucun problème. Y'a tout à fait aucun problème, Nina. Ah ouais, non, vraiment, y'a pas de soucis, hein. Te formalise pas, y'a pas de soucis. On va essayer.
marche? Je t'attends, Révis. Avec ce machin, putain, oui, là au-dessus en fait. Pour revenir ici, ou alors, bah non, c'est par là que je suis arrivé, je comprends pas. Non, c'est bien, bien pour arriver de là au-dessus. Donc, non, si, j'ai bel et bien une voie d'accès là-bas. Juste nul. Le terminal devra attendre. Il y a encore des trucs que je n'ai pas. Je vais vous laisser avec cette caméra là pour ce duel. J'espère que vous l'apprécierez. Révis. Jedi. Pourquoi tu as activé le complexe? Cela fait maintes années que je n'ai pas pris la vie d'un Jedi. Pourquoi tu as activé le... J'ai entendu. Jadis, Dagan me vainquit au combat, gagnant ma loyauté. Nous combattîmes côte à côte, jusqu'à ce que les Jedi le trahissent. Il a fallu bien des Jedi pour me vaincre. Et pourtant, ils m'ont déshonoré. Ils m'ont refusé une mort de guerrier. Et m'ont laissé pourrir dans une cage pendant des siècles. Ainsi, il semblerait que nos destinées soient liées. La chute de ton ordre m'a permis de m'échapper. Et pourtant, rien n'a changé. Tu restes le serviteur de Dagan. Le temps n'a aucunement affecté ma loyauté. Sans un code, on n'est serviteur que de soi-même. Où est le compas, Révis? Je ne te dois rien, Jedi! Rien!
Si tu veux cette information, il va falloir te battre pour l'avoir. Très bien. Ça. Tu es marqué. Je veux la voir. Allez. J'attendais ça avec impatience. Depuis 200 ans. Alors je te décevrai pas. Round 2. Real fight. Mais pendant combien de temps encore? Je n'ai pas ressenti une telle joie depuis longtemps. Idis! À l'observatoire de Santarigri, comme Dagan le pensait, j'ai ouvert le passage. Il s'y dirige. Je t'ai vaincu. Bats-toi avec moi. On peut affronter Dagan ensemble. Ça
C'est hors de question, Jedi. Après tous ces siècles, je rêve encore de Tanalore. J'espérais pouvoir la revoir. Mais ça n'arrivera pas, Révis. Dagan Gera se tient sur ta route. T'es pas obligé de faire ça. Un seul d'entre vous atteindra Tanalore. Jedi, accorde-moi une mort de guerrier. Wesh! Ça a niqué toute la scène! Ça a flingué toute la scène, j'ai le seum! Faut pas rester là. Je suis deg. Oh non, ça flingue tout, arrêtez! J'espère en tout cas que vous aurez kiffé le duel sans cam. C'était volontaire. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Personnellement, j'ai extrêmement kiffé, je vous avoue. Nouvel avantage, centré. Grise, t'es là? Je sais pas ce que t'as fait, mais ces droïdes vautours sont partis sans demander l'oreille. La zone d'atterrissage est dégagée. Je vais poser le menti. Bien reçu. Ah! On t'attendra ici. Oh! Le rattrapage du turfu. Révis avait peut-être raison. Dagan a abandonné le code des Jedi. Et maintenant, regarde-le. Consumé par son obsession pour Tanalore. En quoi c'est différent de ce qu'on fait? T'en fais pas pour ça. Merci de me soutenir. Ça va, franchement, je trouve que ça va. Le duel ne s'est pas trop mal passé. Je dois vider. À part la scène de fin. Ah ouais, non, vas-y, tout casser la scène de fin. Je suis désolé, YouTube, hein, pour le coup, je vais pas pouvoir y faire grand chose. Je suis tristement désolé pour ça. C'est pas. C'est même pas de ma faute en plus, j'y peux rien, quoi. Le 1 sabre, peut-être que ce serait intéressant de s'y remettre pour voir. On avait dit qu'on prendrait la double orbite en suivant. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui serait intéressant? Ça, ce serait réellement intéressant. Hein. Ouais, mais j'utilise trop la parade pour utiliser ça. Ça sert à quoi ça? Désoriente avec succès, même les ennemis humanoïdes les plus résistants. Ah! Intéressant ça. C'est quoi ça? Je déconne. LOL! C'est gaulerie de ouf! Ouais, mais ça, c'est les esquives. Ça, c'est intéressant. Par contre, ça coûte 3 et c'est dommage. Et ça, ça fait quoi? Augmente la durée de l'effet de ralentissement sur les ennemis. Ok. Ça, je jouerai que très peu. C'est con parce que c'est un vrai truc en vrai, mais. Cette grosse épée ne m'intéresse que très très peu malheureusement. Donc bah écoutez, lancer maîtrisé ça m'intéresse pas. Ça par contre ça m'intéresse. Il
me reste un point. Tout coûte 2, n'est-ce pas? Oui. Peut-être en survie là. Ça. Tout ça c'est 2. Ouais. Écoutez. Un truc utile. Voilà. On l'utilise que peu, mais écoutez, ça peut toujours être utile. Parfait. Parfait, parfait. Et du coup, on a eu un nouvel avantage également, qui est centré. Aucune interruption. Les ennemis dans une petite zone sont déstabilisés alors que Cal se soigne. Cal peut encaisser un coup sans être interrompu. Ça, c'est intéressant de fou. Ça, je l'utilise moins, donc ça plus. J'utilise moins les lancers de sabre maintenant, donc... Ah si, attends. Ben. Ah oui, là. Là. Allez, on est y part. Par contre. Il y a un truc qui me chagrine, qui me... Oh non, je venais d'être entendu. Il y a un truc qui me chagrine 5 secondes là. C'est que le mec là qu'on a vaincu, la Daganguera là. On est bien d'accord qu'il a perdu ses sabres laser, il les a pas récupérés dans la cinématique. Maintenant faut m'expliquer comment ça se fait que le mec quand on va le recombattre, parce que je suis à peu près sûr que ça va être le boss final. Blaster qui te fait courir, t'as intérêt à déguerpir. Oula, qu'est-ce qui lui arrive? Saloon, sur la lune brisée. Tiens, regardez-moi ça, il est pas mort. Comment ça va, gamin? Quel? Je sais pas ce que t'as bien pu faire là-bas, mais ça s'agite. Revis est mort. Ah ouais, je comprends mieux. Alors laisse-moi deviner, on retourne sur Kobo? Ouais, je crois bien. Bon, alors, Jetpack, viens donc m'aider. D'accord. Bien phosphorescente la barbe et, la... et les cheveux, magnifique. Ouais, il a pris un vent. Je comprends rien à cet endroit, Cal. Fais attention. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je mette le cap. Je pensais qu'on allait repartir direct, moi. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Prochain arrêt. Allez. Mais pourquoi j'ai été là-bas? Je suis un imbécile. C'est pas là-bas, quelle est la mission? Bravo moi. Je suis désolé. Quel enfer. Je suis mauvais ce soir, je suis fatigué un peu. T'es prêt, Cal? On est presque arrivé. Voilà, une arrivée bien inutile. Ouais, le jeu commence à avoir du mal. Faites-en pour faire une petite pause et ça fera un PC, ok. Ben, je finis l'épisode d'abord, Eo. Oui. Bah oui. Bon. Allez, en route pour... En route pour Kobo. Ah, j'ai pas bien dormi cette nuit. Oh, ça fait tellement longtemps qu'on crapahute, je pourrais dormir pendant des jours. Mais ce qui me ferait le plus plaisir, ce serait de revoir Kata bientôt. Kata est ton épouse? Ma fille. Il y a des enfants parmi les réfugiés du passage. Peut-être qu'elle se fera des amis? Peut-être. Pour être honnête, elle est plutôt réservée. J'étais timide quand j'avais son âge. Et maintenant, regarde-toi.
Maintenant, il est sexy. Une belle barbe, de beaux cheveux. Je dois vider mon esprit. Pourquoi interagir avec le lotable, je comprends pas. Ah d'accord, oui, bah oui. Tu rumines. Encore. Tu lis dans mes pensées ? C'est pas une ruse, Jedi. Je suis juste attentive. Sur la lune brisée, j'ai vu Dagan affronter Santari. Il était tellement obsédé par Tanalore qu'il s'est totalement égaré. Ça me rappelle mon combat contre l'Empire ces dernières années. Disons que je veux pas finir comme lui. Tu es très entêté, mais ce n'est pas l'ambition qui te motive. Je comprends pas comment elle a pas remarqué le changement avant qu'il soit trop tard. Ils ont rêvé ensemble. Ils ont souffert ensemble. Se réveiller d'un rêve commun n'est pas une chose aisée. C'est donc de ça que tu as peur. De te perdre. Oui. Un peu. Si jamais tu t'écartes de ton chemin, on sera là pour te ramener. Oh, oh, oh oui, il est temps de s'arrêter, oui. Merc. Ah ouais, c'est là qu'on va s'arrêter, tout le monde. Oh oui. Merveilleux, regardez-moi ça. De superbes textures pas chargées. Hein ? Couleur de rebelle, ok. Ah, je savais pas que je pouvais te siffler. Génial. On va aller sauvegarder à l'intérieur de l'avant-poste, là. Voilà. Et YouTube,